Les souvenirs d'enfance, c'est avant tout la baie du Mont-Saint-Michel, où j'ai appris à marcher d'abord, très petit, un peu plus grand, vers l'âge de 4 ans, à nager. Entre le Mont-Saint-Michel et l'îlot de Tomblaine, qui se situe au milieu de la baie, donc c'est tout ce côté à la fois sauvage, face à la mer, devant l'étendue des sables, des grèves, ça c'est vraiment ma jeunesse au Mont-Saint-Michel, et je peux dire que de 1 an à 18 ans, j'ai parcouru de long en large la baie du Mont-Saint-Michel. Ça, c'est vraiment un souvenir donc, de nature, d'espace, avec évidemment ce décor fantastique qu'est le Mont-Saint-Michel, surtout quand on est au milieu de la baie, il surgit telle une pyramide au milieu des sables et des eaux parfois, puisque je me faisais quelquefois entourer par la marée sur l'îlot de Tomblaine et au loin, je voyais le Mont-Saint-Michel lui-même entouré par la mer. Donc c'était vraiment, c'est des très, très forts souvenirs d'enfance avec des amis, bon, fils de pêcheurs, fils de guide de l'abbaye, de commerçants, un peu moins, le commerçant aimait un peu moins la baie, mais j'ai beaucoup aimé cette vie un peu de sauvageon.